J'ai toujours tremblé avant un assaut. J'ai eu droit aux injections. À une préparation par hypnose. Le psy de la Fédération a scanné mes ondes cérébrales. On m'a examiné sous toutes les coutures. Le docteur a dit que ce n'était pas la peur. J'aurais pu lui répondre. Un cheval enfermé dans son stall de départ n'a pas la trouille. Il se tient simplement prêt à courir. Je trouve ça inadmissible. En plus, on n'est pas en avant, on n'a rien. On est comme ça. Encore que l'équipe médicale nous a donné ça en disant on ne sait jamais. Bah, effectivement, ils avaient raison. Hein. Non, non, je trouve que ça n'a aucun nom, ce massacre et cette violence. On continue à exiger l'arrêt immédiat des expulsions de ces offensives qui sont complètement aberrantes. Et on continue à exiger la poursuite des discussions sur un cadre collectif parce qu'on sent bien qu'il y a une espèce de chantage à la violence, d'essayer de nous faire lâcher là-dessus en envoyant de plus en plus de gendarmes et de plus en plus de grenades. Si nous expulsent, on reviendra. La justice est une balance avec l'accusation et la défense. Si vous déséquilibrez la balance, ça ne pourra plus être une justice juste. Et deuxième mot d'ordre, c'est on veut des juges et pas des robots. Il ne désirait pas qu'on le glorifie avec des chansons. Des monuments ou des poèmes de bravoure et de bataille. Ce qu'il souhaitait était simple. Souvenez-vous des 300. C'est ce qu'il m'a dit. C'était là son vœu. Nous sommes des Spartiates.
Ils sont en train de détruire. Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Donc, l'image, si vous le voulez bien, elle est mitigée, ça vous surprendra. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Depuis que je suis élu, reçu, comme vous le savez, le président Poutine, nous nous sommes vus à plusieurs reprises, nous nous parlons régulièrement. Le monde est chaotique et il y a des situations inacceptables. Et donc c'est pour cela que ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous serons conduits à faire en Syrie, c'est de rester sur nos priorités et d'assurer la stabilité au maximum de cette région. Et donc en aucun cas, la France ne laissera une escalade se faire ou quoi que ce soit qui puisse endommager la stabilité de la région. Mais on ne peut pas laisser aujourd'hui des régimes qui se croient tout permis, et en particulier le pire, en contravention du droit international, agir.
Thank you.
courage d'aller. Engagez-vous. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Ils sont prêts à se battre. Et vous? Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire, citoyenneté garantie. Je vous transmets l'ordre de l'infanterie mobile de commencer le bombardement de la planète Paix. Tu n'as pas été tué? Non, pas moi, mais j'ai vu mes amis mourir. Votre demande est rejetée, Dorbiter. Le Sky Marshal a d'autres projets pour la planète Paix. Bienvenue à bord. Et l'infanterie continue à crever et la flotte à voler. Non, attends, il y a quelque chose de grave. La flotte est mobilisée pour une opération spéciale. Un jour, quelqu'un m'a demandé quelle était la différence entre un citoyen et un civil. Aujourd'hui, je la connais. Un citoyen a le courage de faire de l'avenir de l'humanité sa passion et son obsession personnelle. Dizzy était mon ami et un valeureux soldat. Mais plus que cela, une vraie citoyenne de la Fédération. Bataillon, saluez !
bataillon, fixe. À gauche, gauche. À droite, droite. Inutile. Funérailles terminées. Rompez les rangs. Repos. Comment vas-tu, Carl? Très bien, merci. Je suis navré qu'on ait envoyé tes hommes sur P. Cette mission avait un temps de survie très limité. Les parasites devaient piéger l'unité. Très jolie preuve de leur intelligence, hein? Leur cerveau se trouve très certainement sur P. Vous vous en doutiez, vous les y avez envoyés? Avant de financer une grosse opération, il fallait savoir. Vous ne m'approuvez pas. Eh bien, c'est dommage. Nous voulons préserver l'humanité. Pour l'instant, c'est eux les plus nombreux. C'est aussi simple que cela. Et chaque jour, je suis amené à décider d'envoyer des centaines de fantassins se faire tuer. Vous n'êtes pas au courant, colonel? On a créé l'infanterie mobile pour la sacrifier. J'ai une mauvaise nouvelle. On va vous renvoyer sur P. Pour capturer ce cerveau. Les francs-tireurs sont toujours prêts, mon colonel. Il leur faut un nouveau lieutenant. Ça ne vous tente pas? J'accepte. Jusqu'à ce que je crève ou que vous trouviez mieux. Que tout le personnel se rende au poste de combat. Et voilà. Préparez-vous au largage dans 75 minutes. Fais attention à toi, Johnny. On se reverra. Sorte cela. On vient de nous les envoyer en renfort. Mais ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Nous voilà des vétérans. Écoutez-moi bien, je m'adresse à vous, les Bleus. J'ai une règle d'or et une seule. Tout le monde se barre, c'est clair. Et personne ne se barre. Le premier qui se dégonfle, je le descends personnellement. Est-ce que c'est compris? Oui, compris, lieutenant. Bienvenue chez les francs-tireurs. Chez Rico et ses francs-tireurs. Aujourd'hui, on va visiter Parasiteland. Pour trouver une bestiole que personne n'a jamais vue. Une bestiole du genre perspicace. Elle sait même qu'on est déjà en chemin. Allez, les Bleus! Oh!
Roger Young vient d'être abattu. Je l'ai entendu sur le net. Il y a des survivants. Ah, il est littéralement tombé en miettes. Affirmatif. Ici franc-tireur 2-0. Mauvaise com, répétez. Carmen? Carmen! Parlez pour atterrissage! Réponse fusée dans 3, 2, 1, mise à fond! Johnny, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi! Comment ça se présente? Où est-ce que tu es? On est à Parasitland, à 20 mètres sous terre, position. Sud 22, S 300, la situation est de... Je répète, Sud 22, quelle est la situation? Par ici, Carmen! La situation est extrêmement hostile. Il me faut une escouade de volontaires! Quelle direction? 3 km sud-sud-est. Vous avez entendu le lieutenant? Mission de sauvetage! Troisième escouade, vous venez avec moi! Restez où vous êtes! Vous savez aussi bien que moi qu'elle est morte, il n'y a plus rien à faire. Désolé, vieux. Grand tireur! On reprend la route! En avant! Besoin de nous vivants. Il faut suivre ce couloir. Ouais, mais la compagnie est par là. Ouais. Mais Carmen est là-bas. Sans remuer le couteau dans la plaie, il n'y a plus rien à faire. Elle est toujours vivante. Comment tu le sais? Comment? J'en sais rien, mais je le sais. D'accord, c'est toi qui es aux commandes. Mais détourner une mission, c'est passible de la cour martiale. Ouais, je crois même qu'il risque de te pendre. Franc-tireur 2-0, reprenez le cours de la mission. Il me faut deux volontaires. Mais donc, qu'allons-nous continuer à faire en Syrie? 1. Parce que subissant le chlore. 2. Parce que subissant le chlore. 3. Parce que subissant le chlore. 4. Enlever les moyens d'intervention chimique au régime. Donc ce sera la cible d'éventuelles frappes. Et 5. Quand nous le déciderons et une fois que nous aurons vérifié toutes les informations. Et 5, c'est aussi de préparer la Syrie de demain. Ah,
verras. Un type comme moi viendra bientôt. Il viendra et il te tuera. Toi et toutes tes putains d'insectes.